Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Azertiros pour les intimes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu indépendant, un nouveau roguelike qui s'appelle Elemental World. Voilà, donjon élémentaire en français. Oh putain, ah oui, on commence directement par un tuto. C'est sorti le 8 août 2024, développé et édité par Soul Glen Games. Et ça a l'air, ma foi, tout à fait sympathique. C'est un petit jeu de très très bonne aloi. Finalement, vous êtes là pour accepter le défi. Bref, passons à l'essentiel. Ah, mais je veux jouer à la manette. Il veut pas jouer à la manette. Ok, eh ben d'accord. Illuminer ses pantins avec le feu. Très bien, je clique pour prendre. Ok, je clique là si tu veux. Appuyez sur le feu et faites glisser pour lancer deux pantins. Faites glisser, appuyez long. What the fuck. Ok, faites glisser. Oh putain, oui d'accord, ok. Ah ouais d'accord, je choisis pour éliminer deux pantins, je choisis ça, je clique le glisse et je maintiens, très bien. Eh bien joué! Oh putain les vieux, ne vous inquiétez pas, il suffit de brûler ces boîtes avec un sort de feu. Ok mec, j'y vais, donc là on dirait qu'il y a ma vie et sans doute mes pleins de pou... Et sans doute je ne sais quoi, vas-y voilà, brûle. Ah oui je contrôle ça comme si c'était un peu un joystick, ouais mais du coup ça serait plus simple à la manette quand même. Prenez cet élément de la terre. Ok merci le vieux. Très bien. Utilisez la terre pour bloquer le feu. Ok, je prends la terre et je fais ragadougou. Ragadougou. Ok, j'ai fait ragadougou. J'ai passé. Utilisez la terre. Regardez ce que tu vas faire allumer ce brasier. Choisissez d'abord les éléments de feu et terre. Faites glisser le bouton vers le brasier pour l'allumer. Choisissez le feu. Choisissez la terre. Faites glisser, appuyez long. Ok. Ok, j'ai rien compris, mais tout va bien. Ah si, j'ai fait tomber des météorites. Ah, j'ai fait un combo pluie enflammée. Ah, sympa. Cliquez pour prendre des sorts d'eau, ok. Combinez feu, eau, terre et eau pour lancer un puissant sort, le souffle du dragon. D'accord. Tac, tac, tac. Ok, vas-y, souffle du dragon. Merde, j'ai raté. Choisissez le feu, choisissez la terre, choisissez l'eau. Et là, je fais... Ok, bien joué, Azertiran. 2, 3... et j'entre dans le donjon. Très bien, j'ai boueux. Oh putain! C'est un communiste! Qu'est-ce qu'il veut? Ok, j'ai rien compris. Il y avait un communiste. Très bien, explorer toutes les salles dans ce niveau. Très bien, très bien. C'est trop bien ça qu'on puisse faire des... Il n'y a pas d'options parce que... Ah oui, non, il y a zéro option. Ok, parce qu'il y a déchirement d'écran, mais c'est pas grave. D'où la V5 qu'il faudrait être utile. Tout le monde se demande à quoi sert la V5. Bah éviter les déchirements d'écran notamment. Non, mais c'est bien d'avoir les... Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais l'eau, ça va rien faire, là. 1, 2... Voilà. Oh, ça fait quoi? 1, 2, jet de vapeur. Ah, c'est cool. Ah, ça, c'est trop bien de pouvoir mélanger les éléments. Et si je fais 2, 1, jet de vapeur. Et ok. Ok, non, c'est bien. Et là, je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Tiens, crame, chien de la casse. Alors, on n'aime pas ça? On n'aime pas le feu? On se brûle les petites fesses? Oh, les petites fesses, j'adore les petites fesses, moi. Surtout les petites fesses d'adolescent. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Azertiran, c'est un pervers, ouais, c'est vrai. On y va. N'écoutez pas ce que je dis, c'est mal, c'est très mal. Oh, ça crame bien. Oh, c'est joli, dis donc. Petit jeu indépendant, là, les petites fesses de bébé chinois. On apprécie. C'est indépendant, mais. Ah, les effets sont sympas, c'est sympa. Tu sais quoi, c'est sympa. Aïe, j'ai de vapeur, vas-y. J'ai de vapeur dans le fion. Ah ouais, ça fait mal. Vas-y. Je garde le même pouvoir. Attention. Attention à ta vie quand même, t'as plus trop de vie mon garçon. Bâton élémentaire. Oui, bâton élémentaire. Ça fait quoi bâton élémentaire? Oh là là, attention, il va chier des briques. Il va chier ce qu'on appelle des briques carrées. Ok, vas-y. Aïe, c'est marrant que pas assez de mana. Ah bah recharge ton mana mon petit gars. Voilà, bien joué. Lui il va me tirer dessus, il va me côtoyer l'anus comme on dit, me perforer le fond du fion. Pas assez de mana. Ah ouais, je suis presque mort en fait. Quoi? Ok, résurrection! Je sais pas pourquoi je suis mort, mais tout va bien. Aïe, alors, on est un nul? Voilà, c'est bon. Ok, on récupère le coffre. C'est marrant que tout se fasse via ce bouton où on clique. Et j'ai obtenu des pièces d'or, des délicieuses pièces d'or. Ok. Et là, je refais du feu, et ça crame, et ça se répand. Sympa! Très sympa! Ok, vas-y. On va t'enflammer le fond du jonc. Est-ce que les monstres ont des sensibilités? Genre certains craignent ça, d'autres craignent ci, d'autres craignent ceci, d'autres craignent saucisse. Vas-y, bâton élémentaire.
Voilà, voilà. Alors, merde, pas assez de mana. Saloperie. Saloperie communiste, va. Tiens, voilà, un coup dans la trogne. Et ça, c'est quoi? Bâton de mana, bâton élémentaire. Ok, c'est peut-être pour après. Quoi qu'on l'utilise peut-être. Est-ce que ça utilise moins de mana? Est-ce que c'est plus fort? Je ne sais pas. Beaucoup de questions. Si peu de réponses, c'est ça qu'on aime. Hop, on fait attention. Tiens, tu vas mourir, chien! Est-ce que tu crains l'eau? Tu crains les gros jets d'eau dans la tronche en mode pompier. Les pompiers du plaisir, les plombiers du plaisir. En mode scénario porno. Ok. On a récupéré des choses. Tiens, toi aussi tu es à crever. Vas-y, cumule les deux. Flamme plus jet de vapeur. Et c'est très efficace. Oh, un bâton élémentaire! J'adore les bâtons élémentaires, surtout quand c'est des bâtonnets de poissons. Ok, élément disponible. Bombe de feu, je prends. I achète. Ok. Et ça fait quoi? Oh putain! Ah oui, c'est le rayon d'obscurité. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Ça, je peux me faire foutre. Ok, rayon d'obscurité. Ça a l'air plus ou moins efficace. Ah, je peux faire aussi échappe. Ah, il recharge, vous voyez. Ok. C'est pas très puissant, mais on dirait que ça me pompe pas de mana, ce qui est sexuellement intéressant. Je peux faire espace aussi pour tirer. Voilà, j'appuie sur échappe, je mets ma souris là où je veux viser, et ça se fait plutôt bien. Ah merde, en fait, il vise automatiquement, ce chien de la casse. Aïe! Voilà! Allez, on récupère les petits bâtons élémentaires, mon cher Watson. Hop, vas-y, on crame tout ça. On ne sait jamais, les enfants. Est-ce que je peux faire tac, tac, tac? Ah ouais, bombe de feu. Ouais, par contre, ça pompe les manas, on dirait mon ex. Ok. Ah ouais, pas assez de mana. Et si je fais ça, là? Ah ouais, pistolet à quoi? Ok, c'est un pistolet. Un peu plus puissant, un peu plus... Oh, mama! Ah ouais, si, c'est ça. Quand on tire, c'est là où ça utilise le mana, où ça le consomme. Ok, bâton élémentaire, des tas de choses, de l'or, tout l'or de Cortès, tout l'or des Mayas, tout l'or des Marias. Voilà, ça brûle, et c'est plutôt joli, c'est jovial! C'est très jovial, ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis oui, moi je dis vive la jovialité des choses! Oh, bien joué, Azertiran, tu as été, comme tous les jours, exceptionnel. Comme tous les jours sur cette chaîne YouTube, tu as été parfait. Tu as été comme une merde, voilà. Mais une belle merde dorée. Le genre de merde qu'on a envie de manger au bord de la plage, tu vois. Hop, bien joué à moi-même. Ok, récupère ça. Oh, de l'or, j'adore l'or, vous le savez, je suis YouTuber. Et très bien ce pistolet à quoi. Il fait mal au popo, hein. Ouais. C'est bien. Vous voyez, c'est un petit Metroidvania qui se prend pas la tête, mais qui est très efficace. Et comme souvent, les Metroidvania, on a envie de continuer, c'est assez addictif, tu vois. Ah, on peut manifestement cumuler 1, 2, 3, 4, 5, 5 éléments ou 5 items, 5 pouvoirs. Ce qui est dangereux et sexuel à la fois. Là, on va prendre le feu et on va cramer. Je sais pas si on peut lire des récompenses du cramage, mais on va quand même cramer, car on aime cramer. Et là, si je fais tac plus tac, la flamme ombre, ok. Vas-y, un petit coup de flamme ombre. Je vais là, épreuve de mémoire, merde. J'aurais pas dû choisir ça. Élément aléatoire, ah ça j'aime bien, lumière guide, tempête ombre, ok. J'achète. Ah oui, mais choisis, j'achète. Ah oui, mais c'est à la place de... À la place de... L'eau! Oh putain. Et ça, ok. Donc là, je peux faire par exemple... Tac, ça c'est glace. Ok. Et je peux faire des mélanges bouclier gelé. Ok. Donc là, ça joue la défense. Rocket gel, ça joue l'attaque. Tempête d'ombre, ça joue sans doute l'attaque. Ok, donc j'ai un truc de défense, défensif, et j'ai un truc d'attaque. Et un méga truc d'attaque aussi. Ok. Tempête d'ombre. Oh là là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a l'air... Waouh. Wamakasi, ok. Par contre, c'était bien quand même la roquette. Est-ce que je peux échanger avec ça? Tu vois, si je fais ça, ça fait quoi? Tac, tac, ça fait sentier glacial, c'est de l'attaque. Si je fais tac, tac, ça fait toujours mon pistolet à quoi? Et si je mets ça, ça fait lumière guilde, qui semble envoyer des jetons dans la tronche. Ok, allez, on joue sans le feu, même si j'adore le feu. Bouclier gelé, ah oui, non, on a toujours la défensif, ok. Il y a l'air d'avoir des choses à faire.
C'était pas mal le feu quand même, non? Oh putain, un coffre. Le coffre des mille et un plaisirs. Et Dieu sait qu'on les aime, les mille et un plaisirs. Hein. Et on a les éléments qui tourbillonnent autour de nous. C'est plutôt... Oh putain, agréable. Ah ouais, c'est très efficace, ça. Ah, j'adore le gameplay. Le gameplay est très efficace. Vas-y, prends ça. Voilà, il va falloir quand même aller récupérer ce bordel à cul. Ok, on est bon. On a la lumière guide. Alors, bonhomme, épreuve du brave. J'aime l'épreuve du brave. Ça me va. Samovar ! Ouais, c'est une mitraillette assez stylax. Merde, là j'ai plus rien. Pistolet à quoi ? Ouais, très efficace, ok. On a un bon mélange des genres, un bon mélange des éléments. C'est assez plaisant. Et là, glacier, ça fait quoi ? Est-ce que ça ralentit ? Je pense, j'espère, hein. J'espère, ma... Tiens. Passer de mana. Ben oui, passer de mana. Pourquoi ? Parce que je suis un oiseau. Je suis un oiseau et les oiseaux n'ont pas besoin de mana puisque ce sont des oiseaux. Aïe, attention. Je vous boucliette, gelette. Ouais, ouais. Attention. Attention quand même. Ah, pas mal le sentier glacial aussi. Je pense que ça pompe pas mal le mana, mais... Petite mitraillette à glace, petite boule, petite bouliche, les petites bouliches du commandant. Hop, du commandant Cousteau, là. Vas-y. Ah, bien joué. Bien joué à lui, bien joué à moi, bien joué à nous. Efficace et pas cher, c'est les artillerons que je préfère. Vas-y. C'est sympa comme jeu, c'est très sympa comme Metroidvania. Ça change. Pour une fois que c'est un peu original. Ok, vas-y, juste le glacier. Tu vas geler, fils de Harmanou, fils de chien. Voilà. Ok, au bout d'un moment, c'est quand même déchargé. Hein. Voilà. Bien joué à moi-même, bien joué à vous, bien joué à nous, bien joué à il. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bâton élémentaire. J'aime les bâtons, savez-vous comment? Quand ils sont élémentaires avec du beurre dedans. Ah bah là on lui a mis tout dans l'anus, hein. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la réalité. Voilà, ok, bien joué. On récupère des tas de bonnes choses. Ok, il a fait un bruit à la Waluigi. Vas-y, on passe. Ouais, c'est très cool, tu vois, c'est gameplay très simple, mais très simple et efficace. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. C'est, finalement, ça colle parfaitement au genre Metroidvania. On apprécie. Oh là là, il s'est fait prendre par les pics du plaisir. Ok. Bien joué, Zertiran, comme James Bond. Voilà. Tu as du Daniel Craig en toi. Attention, la petite flèche du plaisir. Ah, il est puissant, ce chien de la casse. Merde, j'ai pas assez de mana. Ouais, ça pompe. Ça méga pompe. Ok, on voit qu'il faut 2 barres de mana. Ok. Ouais, très efficace. Oh là là, il m'a tout envoyé dans l'anus. Ok. Là, il nous a anusé, comme on dit dans le jargon. Ouais, t'as de la chance, bonhomme. Bien joué. Ok, on récupère. Parfait. On n'a plus beaucoup de vie. Oh putain, on s'est fait avoir par le sentier glacial. Allez, Yugi. Ok, Yugi, on n'a plus beaucoup de vie, mais tout va bien. Sentier glacial. Est-ce que parce que c'est de l'eau, il craint plus? Note de novice, aucun mana est consommé lors d'utilisation de compétences chargées. Appui long. Intéressant. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais intéressant. Très, très intéressant. Oh, putain. Oh, ça me suit, c'est la tête chercheuse, c'est la tête de cul. Ok. J'ai quasiment plus de vie, hein, mais tout va bien. Tout va mal. Si tout va mal, c'est que tout va bien. Ah! Il me suit, il me poursuit. Il veut me pourfendre. Bien joué. On a bientôt fini. C'est long quand même, hein. C'est très très long. Ah bah ouais. Et là j'utilise 20, j'ai 999. Ah bah ça va. Ok, ça va. Alors j'esquive. Y'a pas de roulade à la Moonlighter? Non, y'a pas de roulade à la Moonlighter. Tiens. Voilà. Fais du ça.
Ça, j'aime pas le bouclier gelé en fait. Voilà, moi je veux full attaque. Je veux de l'attaque. On va remettre un peu de pistolet à quoi, parce que c'était bien efficace. Ça pompe, mais c'est quand même bien efficace. Hein. Quoi couper, quoi qu'on dise, c'est bien efficace. Tiens, tiens, vas-y, fais-lui un coup de quoi couper là. Un coup de TikTok sur nos jeunes générations, sur nos enfants pour les rendre cons. Voilà, ça marche bien. Je sais pas pourquoi il y a des gouttes qui coulent sur les côtés. Mais c'est pas très grave, on aime les gougouttes. Ah ouais, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ok. Ok, ok, vas-y, Azertiran. Faudra un truc où ça charge plus vite. Voilà, tant que la barre blanche, voilà, la barre blanche quand elle est au fond, c'est qu'on a utilisé. Quand elle est à fond, c'est qu'on a utilisé la compétence au max. Voilà, quoi couper. Ok, c'est bon. Oh non, mais pas encore, ça fait trop. Oh non, pas encore, vas-y. Vas-y, un peu de dans la gueule. Pourquoi là c'est 30 et pas 27, je ne sais pas. Voilà, il craint. Ah non, est-ce que ce qu'on voit sur eux, c'est leur faiblesse? Genre eux, ils craignent les gougouttes parce qu'ils sont en train de gougouter. Je sais pas. Je me pose des tas de questions. Je ne sais pas si elles sont bonnes, je ne sais pas si elles sont intelligentes, je ne sais pas si elles sont intéressantes, je ne pense pas. Sinon, je me les poserai pas. Hop, vas-y, quoi couper, quoi couper, quoi couper, quoi couper. Là, lui aussi, bien joué. Il est mort comme un caca. Et Dieu sait qu'on aime ça. Ça fait quoi quand on finit une salle, là, quand on finit un niveau? Hop. Est-ce qu'on peut acheter, comme dans les Metroidvania, des... Je me vomis dessus. Oh, c'est quoi ça? C'est le feu. Et ça, c'est encore l'ombre. Ah, mais je peux l'améliorer, lui améliorer le fion. D'accord, ok, ok. Est-ce qu'on prend le feu? Non, 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 non. Le feu à la place de l'eau? Ouais, c'est histoire de changer, de varier les plaisirs, les plaisirs. Épreuve de brave salle au trésor. Oh, maman, oh, maman, oh, maman, fais-moi des enfants. 100 graines. La plante blesse tout passant une fois qu'elle aura grandi. Intéressant. Lance un aura guérissant, intéressant. Brûlure immunitaire, ah, intéressant, j'achète. Est-ce que je crains plus le... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez avoir les articles pour recharger. D'accord, on a un vieux pédophile à la Zelda qui vend des tas de bonnes choses. Et ici on a encore d'autres éléments. Pièce insuffisante, d'accord. Et on a encore l'eau. L'eau, le feu, les saisons. Oh, le coffre au milieu, un plaisir. Œuf d'araignée, si un ennemi se rapproche des œufs, d'araignée explosive explose et poursuivent des... Ah oui, c'est très bien, d'accord, on a aussi des objets qui s'utilisent et qui ensuite se perdent. Ok, d'accord, 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 d'accord. Mais écoutez, c'est très bien ce Metroidvania. Et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est le boss? Le boss? Oh putain, roi, slimidi, bibi, bibi, slimidi, 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 boudout, ok. Vas-y, vas-y. Oh putain, ah ouais, c'est efficace. Efficace et pas cher, c'est Azertiran que je préfère. Trompette d'ombre. Ah, ah, il m'a... Faut que je résurrecte. Ok. Ah d'accord, il se cache dans ses... Il se cache, le fumier. Oh là là, ouais, ouais, d'accord. Ok, ok, c'est une merde. Ok, ça va, ça se passe plutôt bien, c'est une merde. Ah oui, là, j'ai utilisé tous mes objets. Ah, il va bouillir. Ok. Ok, j'ai pas assez de mana. Ah, il fait très mal, par contre. C'est une merde, mais il fait quand même très mal. Bien joué, Azertiran. Azertiran, fais-moi des enfants. Allez, sors, sors de ton marécage, vieux fumier. Oh, le vieux fumier. Ah, le pervers sexuel, ok. Et du coup, il se fout là? Non, il se fout là. Là, je vais tout lui mettre dans l'anus. La musique est sympa. Merde, ok. Alors, t'es où, minable? T'es où, minable? Bien joué! Ok, clé d'eau! Oh, c'est la clé d'eau! Les clés d'eau! Ok. Vas-y, vas-y, récupère ça. A besoin de la magie d'une sorcière pour se matérialiser. Et bah, récupère! Voilà, et ça récupère, et ça récupère! Ouvre! Et installe un pantin qui se moque de vos ennemis. Ah! Ou des œufs d'araignée. Ah ouais, en gros, je choisis soit le pantin, soit les œufs. Bah écoutez, on va utiliser le pantin pour l'instant, et je pense que du coup, ça va provoquer les ennemis, et les ennemis vont être là, vont attaquer le pantin. Et là, du coup, on change de... Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, stop. On change de monde, de biome, de donjon. Mais très sympa, ce petit... Je sais que c'est des mondes générés aléatoirement, un peu randomized. Elemental World, donc clairement, ça porte bien son nom. On joue avec les élémentaires, les éléments. Mais c'est très cool comme roguelike. Et puis, manifestement, on a différentes races aussi, mais on les a pas vues, différentes classes. Le mage, le chasseur et le renin.
Alors, je ne sais pas où je peux les choisir. Est-ce que je peux faire quitter? Non, je ne sais pas du tout. Oh, peut-être qu'on pourra les débloquer plus tard, mais c'est très sympa. Il y a plusieurs éléments. On peut avoir jusqu'à 3 éléments, et puis on peut faire des combos. C'est assez cool. En plus, avec une direction artistique un peu en mode pixel, assez rétro, assez sympa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très, très sympa. Et puis, ça coûte pas cher. Ça coûte 2 euros, tu vois. Donc, pour 2 euros, ça vaut très, très largement le coup. N'hésitez pas à soutenir les développeurs en achetant le jeu si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve très bientôt. Voilà. Gros bisous à tous. Et à bientôt. Bye bye.